Bonjour à tous, bienvenue sur finsquare.fr. Voilà, aujourd'hui je vous donne mon avis et je vous présente ce site de crowdfunding. Donc c'est un site qui va vous permettre de prêter aux entreprises en qualité de particulier, de prêter votre argent afin de pouvoir investir et récolter donc des plus-values pour votre compte et également permettre aux entreprises de pouvoir mettre en place les différents projets avec l'argent que vous leur prêtez. Alors allez, voilà comment ça se passe. Nous allons aller sur le compte qui a été mis en place pour conseil guide. Donc je clique sur mon compte. Bien entendu, il faut s'inscrire, hein, adresse email, numéro de téléphone, pièce d'identité, etc. Voilà comment il se présente le back office. Vous avez donc ici votre portefeuille avec le récapitulatif de vos actifs. Ici, il y a une valeur sur le compte de 50 euros. Et ici, vous avez l'ensemble des contributions réalisées. Donc, en cours de 20 euros, c'est-à-dire que j'ai souhaité prêter pour le moment 20 euros et pour un montant moyen de 10 euros. La performance de mon compte, comme il vient de commencer, n'est pas encore indiquée. Mais ici, je suppose que j'aurai les gains en euros et puis les montants prêtés réellement. Lors de mes investissements. Ensuite, en dessous, j'ai les différents projets sur lesquels je me suis positionné. Voilà, je me suis positionné sur deux projets. Alors, c'est tout simple le fonctionnement. Il vous suffit d'aller sur tous les projets ici. Vous cliquez simplement ici. Et vous avez tous les projets que vous propose FinSquare. Voilà. Donc là, différentes entreprises hein, sur différents types de marchés avec les pourcentages qui peuvent être distribués au jour où vous placez votre offre et le délai du prêt que vous effectuez auprès de l'entreprise et l'objectif donc du montant souhaité par l'entreprise. Donc ici, on peut s'apercevoir que les objectifs de prêt ne sont pas atteints et que les offres sont toujours d'actualité. Donc on va aller par exemple sur cette entreprise-là. J'ai affiché l'entreprise. Voilà. Sur l'entreprise, j'ai l'ensemble des informations nécessaires pour me permettre d'investir ou en tout cas de prendre ma décision. Ce projet expire dans 8 jours. Il y a un montant à financer de 9 720 euros. Le ticket moyen aujourd'hui est de 95 euros. Il faut savoir que sur FinSquare, vous pouvez commencer à investir avec 10 euros seulement. Et le taux moyen de redistribution est pour le moment de 9,06%. J'attire votre attention sur ce montant. Il est brut, naturellement. Vous avez une fiscalité derrière. Et je vous invite, pour comprendre comment fonctionne la fiscalité dans le crowdfunding, en tout cas pour ce type de site, à cliquer sur ici « Fonctionnement » où vous avez une foire aux questions à votre disposition. Ici, vous avez l'ensemble des informations concernant le projet. Voilà, avec le nom du dirigeant, ce qu'il fait, pourquoi, des petits arguments pour vous donner envie de prêter. Et ici, vous avez une analyse financière qui vous est également proposée. Voilà, chiffre d'affaires de l'entreprise, résultat d'exploitation, etc., etc. Et le bilan N-1 et N-2 à votre disposition si l'entreprise l'a. Pour favoriser votre décision ou pour faciliter votre décision, FinSquare met à votre disposition ici des étoiles qui vous permettent d'avoir une vue rapide sur la qualité du projet et la qualité de votre prêt. Une fois que vous avez choisi le montant que vous voulez donner, vous tapez ici sur « Choisissez votre taux à prêter », tout simplement. Et là, vous n'avez donc qu'à rajouter le montant que vous souhaitez prêter. Ça ne s'affiche pas ici parce que j'ai déjà fait ma proposition ici de mes enchères, 10 euros à 9% pour un montant de 10 euros le 22/04/2015. Ici, vous avez la liste de toutes les personnes qui souhaitent prêter de l'argent pour ce projet avec leur demande, c'est-à-dire leur taux de remboursement demandé et puis le montant de leur investissement. Il n'y a qu'à la fin des 8 jours que vous saurez si votre investissement est retenu au taux que vous avez demandé. Voilà pour la présentation de FinSquare. C'est donc un site de nouvelle génération de crowdfunding avec
lequel ou au travers duquel vous pouvez prêter votre argent. J'alerte toutefois tous les internautes ou les investisseurs particuliers lors de ce type de prêt, tout simplement parce que le montant redistribué par ces sites paraît alléchant comme ça, mais c'est sans compter sur la fiscalité. Il faut compter aux alentours de 34% en moins. Ça signifie que des fois, le pourcentage redistribué arrive en deçà de certains livrets et également de certaines assurances vie. Voilà. Néanmoins, je pose un avis favorable sur FinSquare si vous avez envie de diversifier vos investissements. C'est un site qui a l'air sérieux et de poser toutes les certifications et accréditations pour vos transactions financières. Et c'est un site français. Voilà, je vous dis à très vite sur Conseil Guide.